Coucou à toutes et coucou à tous. Une vidéo qui n'était pas prévue. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais pour commencer, je vais vous laisser Evangeline donc faire sa petite présentation de carte. Donc on ne verra pas son visage, c'est voulu, voilà. Et elle va vous présenter quelque chose qu'elle a reçu et qu'elle s'est offert avec son argent de poche. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu un colis que j'ai acheté avec mon argent que j'avais et voilà ce que j'ai eu. J'ai acheté le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Évidemment, c'est pour enfants. Donc, l'édition c'est Contredire, ça dit. Donc, la boîte, je trouve, elle est magnifique. Elle est même pas cassée, donc c'est nickel. C'est qui fait le truc? Je sais plus comment il s'appelle l'autre. C'est marqué tout au-dessus. Ah, tout au-dessus. Donc c'est Mallory Malmaison, illustratrice Camille Bellet. Donc, waouh. Ouais, donc elle est dans une boîte. Et les cartes, est-ce qu'elles sont mises dans quelque chose? Je pense que oui. Donc voici les cartes. On a eu beaucoup, hein. Voilà, je vais vous montrer déjà une comment ils sont déjà. Et derrière, voilà comment ils Remonte un sont. temps, monte-la par là. Voilà comment ils sont derrière. Donc, waouh, je suis Dans l'autre impressionnée. sens, tes cartes. Vers toi, tu les montres. Voilà, dans ce sens. C'est bien. C'est impressionnant, quoi. Finalement, il y a beaucoup de choix, un peu comme des vraies cartes, quoi, bien sûr, pour les grands, mais en mode pour enfants. Moi, la préférée, c'est celui-ci. Est joli. Vraiment, waouh. Évidemment, il y a beaucoup de choix, donc je vais pas vous tout vous montrer, Ah je bah non, pense, faut pas hein. tout montrer. Je vous montre déjà ceux que j'ai vus, déjà. Donc, vraiment, waouh. Je suis impressionnée, quoi. Waouh. Et donc il y a un petit livre qui accompagne les Oui, cartes. donc voici le petit grimoire. Donc, je vais vous montrer dedans, évidemment, rapide. Donc, voilà comment c'est. Donc, évidemment, c'est pareil que dans tous les trucs. Ça existe. Il y a des explications. Il y a évidemment, ça dit d'autres trucs. Le pouvoir du sommeil. Waouh. Qu'est-ce que tu es contente de tes cartes? En plus, ça n'a pas coûté cher, bien sûr. Ça a coûté 26 euros. Ça va? Pour le travail, t'as montré les tranches? Les tranches. Comment elles sont belles? Les tranches de tes cartes. Tu prends une carte et tu montes là. Donc là, j'avais vu, quand ils étaient rassemblés, il y avait de l'or à peu près. Donc, évidemment, ça doit être du faux, bien sûr, hein. Ah bah oui. Et en fait, ça faisait trop joli, je trouve ça trop sympa. Évidemment, il y a beaucoup de choix, donc j'aime presque toutes les cartes, quoi. Ah bah oui, mais là maintenant tu vas pouvoir tirer une carte par jour par exemple et te dire voilà c'est quoi le message d'aujourd'hui pour apprendre, voilà. Donc, ouais, il y a beaucoup de Mais c'est trucs. vraiment bien fait pour les enfants aussi, hein. C'est aussi pour les grands, hein. C'est les grands enfants on va dire. Mais je crois que de base Mallory a fait les cartes exprès pour les enfants. Waouh. Pas trop près. Vraiment. Vraiment, je trouve ça Voilà. très sympa, hein. Bon. Tu mets quoi comme note? Sur une échelle de combien? De 1 à 10 ou à 5 sur 1? Ben, sur 5. Bah, 5 sur 5. D'accord. Alors, pour commencer, Évangeline, vous avez vu la vidéo d'Évangeline, donc moi je vais vous présenter à ma manière ce qu'elle a reçu. Donc, c'est ceci, le grimoire au grand pouvoir de Mallory Malmaison. C'est quelque chose que j'avais déjà mis de côté il y a quelques temps. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant. Je vais juste vous lire le descriptif qui est écrit derrière. Donc, ce coffret enchanté pour les enfants de 3 à 177 ans, c'est beaucoup, leur permettra de découvrir et de développer les nombreux pouvoirs qui les habitent et dont regorge l'univers. Accompagnant les 43 cartes magiques magnifiquement illustrées, le grimoire permet d'en apprendre plus sur chaque pouvoir et détaille les missions, jeux ou exercices à réaliser pour les développer. Voilà, en gros, c'est bien pour guider et accompagner les enfants dans leur évolution personnelle et faire d'eux de futurs adultes épanouis. Le coffret contient un grimoire de 86 pages, illustré en couleur, de 43 cartes magiques que Evangeline est en train de toucher, un joli sac pour protéger tes cartes et préserver leur pouvoir.
Voilà, ça c'est 26 euros, Vivi vous l'a dit. Donc voilà. Et donc c'est l'édition Contredire. Et c'est vrai que j'avais tilté dessus quand Mallory en avait parlé dans ses vidéos il y a quelques années maintenant. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est vrai que là dernièrement je me suis acheté des cartes. Elle s'est fabriquée aussi des cartes maison. Je vous les ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Et du coup là on s'est dit, elle savait pas quoi trop s'offrir avec son argent de poche et elle voulait se faire plaisir. Et du coup, voilà, je lui ai proposé certaines choses. Je lui ai dit, il y a ça qui est pas mal, ça aussi. Et du coup, elle a tilté sur ça. Voilà, sur le petit grimoire au grand pouvoir. Donc, pendant que Evangeline est en train de s'amuser avec ses cartes, de toutes les regarder. Mais en même temps, c'est collé aussi. Ouais, c'est collé, mais c'est normal, c'est parce que c'est pour ça que je lui décolle. Comme il fait chaud, ouais. C'est pour ça que je lui décolle. Alors. J'ai pas encore regardé parce qu'on l'a reçu donc hier, voilà, et que je suis allée les chercher donc ce matin dans la boîte aux lettres. Donc il y a une petite présentation dans le bouquin. Il y a donc, désolé pour le bruit du chien qui aboie tous les jours. Et donc voilà, c'est comme ça. Avec la carte, les explications, donc elle vous donne par exemple cette carte, ferme les yeux, respire tranquillement et visualise quelque chose qui te fait du bien ou qui t'apaise. Tu peux même visualiser quelque chose pour une autre personne que toi. Voilà, donc après je vais pas tout vous lire parce que voilà. Mais franchement, je pense que ça a l'air plutôt bien expliqué. Après c'est un peu cryptique, donc pour Evangeline qui en plus 10, c'est un peu compliqué. Mais je pense que voilà, elle pourra venir me voir s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qu'elle comprend pas, etc. Et ça me fait de la lecture. Et ça te fait de la lecture, exactement. Voilà. Donc toutes les explications. Ok. Wow. C'est très bien rangé. Pouvoir des chakras, pouvoir de la nature. Il y a une petite conclusion. Alors conclusion. J'espère que ce grimoire magique te procure le plus grand. Bien, surtout n'hésite pas à m'appeler durant ton sommeil dans tes rêves, je pourrais aussi venir te rendre visite. Voilà, enfin il y a plein de petites choses, c'est vraiment bien fait. Voilà, le sac est très joli, les cartes rentrent nickel dedans, le packaging est très joli aussi. Voilà, donc rien de négatif par rapport aux cartes. Ah alors, mais je préfère. Là on voit un peu mieux, voilà, c'est doré. Des quatre côtés. Ça, quand j'ai vu le doré, quand j'ai ouvert la pochette ce matin, j'ai fait waouh. J'ai regardé derrière, j'ai fait waouh. Et quand j'ai vu les cartes, j'ai fait double waouh. Parce que franchement, et là je me suis dit, franchement, 26 euros, ça les vaut bien. Parce qu'il y a beaucoup de travail, que ce soit dans le petit bouquin, dans la petite pochette, les détails, sur les cartes. L'arrière des cartes est vraiment magnifique, voilà. Et du coup, voilà. Donc il y a plein de choses. Donc là, par exemple, pouvoir de l'expression de la gratitude, merci. Moi, je la trouve super jolie cette carte. Les plantes. Ouais, c'est vachement joli. Le câlin à la pouvoir de l'ancrage, la pleine conscience. Donc ça, c'est quelque chose qu'Evangeline va pouvoir utiliser pas mal. Celle-là. Moi, je vois, j'adore faire des câlins. Celle-là encore plus. Pouvoir de la confiance en soi, donc voilà, là, je n'arrive pas à lire. Attends, le 2, le dorubre, supragalactique. Le double, du supragalactique. Ouais. Bon. Ça me parle dur. Le double, le dorubre, je sais pas. Bon, on regarde le double, c'est... Ouais, mais je sais pas, c'est écrit bizarrement. Médaille de la fierté, donc ça c'est des petites choses aussi sympas. Pouvoir de la bonté et de la joie. Pouvoir de la confiance en soi, l'ami intérieur. Pouvoir de l'expression de la gratitude, la communication, je veux dire, magique. Les dragons. Les fées. Il n'y a pas la licorne, tu l'as pas vu, la licorne? Je crois que si, tu l'as déjà trouvé. Ah oui, mais il y avait peut-être une licorne. Ouais. Pouvoir de la guérison, pouvoir du sommeil. Donc, si tu as des difficultés à dormir, enfin, on peut prendre par exemple sa carte, la mettre à côté de soi, lire le petit message qu'il y a et ça peut l'aider à dormir
encore une fois, voilà, l'intention, pouvoir de l'intention, etc. Pouvoir du sommeil, pouvoir de la relaxation, pour l'aider à se relaxer, etc. Et puis, ah oui, la licorne, ouais. Les licornes, pouvoir du peuple magique. Enfin, c'est des choses vraiment, voilà. La cape du super-héros, pouvoir de la confiance en soi. Il y a beaucoup de cartes de la confiance en soi et c'est pas plus mal. Surtout pour les enfants, voilà. C'est celui-là quand même qui est impressionnant. Pouvoir de la guérison, l'alimentation joyeuse et positive. Ça, c'est des choses importantes aussi, surtout en ce moment. Pouvoir de la protection invisible, la baguette magique. Oh, elles sont superbes ces cartes. Et celui-là est mes préférées aussi. La lune et le soleil, pouvoir de la nature. Du coup, on est quasiment en train de tout montrer. On va peut-être pas vous tout vous montrer, mais trouve-moi celle que tu préfères. Pouvoir des chakras, les moulins. Elle est magnifique aussi, celle-là. Donc, je vais vous en montrer encore quelques-unes. Alors là, elle m'a donné pouvoir de la protection invisible, talisman de protection. Oups, ça glisse. Elle glisse super bien, là, au niveau de la glisse. Pouvoir de la relaxation, les massages. Ça dépend, ouais. Les cages, pouvoir des chakras. Celle-ci aussi. Après, c'est bon, on va pas tout montrer. Parce que... Pouvoir de l'intention, de la visualisation. Déjà, c'est déjà pas... La visualisation est créatrice. Pouvoir de la nature, les végétaux et les minéraux. Alors, au niveau de la glisse, franchement... La glisse. Par contre, elles sont un peu grandes pour les enfants. J'avoue que j'aurais pu peut-être faire un peu plus petit. Ouais. Mais de toute façon, elles sont à la taille des cartes oracles de base. Non, elles glissent bien. Ils glissent bien, ça fait son taf. Hein, après, voilà. Moi, je sais ce que je vais faire. Puis, hop, on va en tirer une. Ouais, c'est moi qui fais ça. Tu veux en tirer une ? Ouais. Tu fais attention, tu mets pause pour une. T'en prends une. Mmh, voilà, okay. Là où ça te parle. Donc, c'est laquelle ? Le super poubelle. Pouvoir des émotions. La super poubelle. Alors, vas-y, regarde. Alors, super poubelle. Regardez peut-être en début, non ? Je sais pas, mais... C'est pas si un... J'ai pas fait attention. Oui. Alors, super poubelle, page 20. Donc, il y a... Hop. Fabrique une petite poubelle avec 3 compartiments. Pour cela, prends par exemple 3 petites boîtes en carton ou bien 3 petites pochettes. Un compartiment sera dédié aux tracas et soucis du moment. Un autre aux émotions négatives et enfin un dernier aux actions et mots négatifs qui ont été faits ou prononcés. Tu peux coller une étiquette sur chaque poubelle afin d'indiquer son rôle. Une fois cette opération terminée, tu pourras garder cette super poubelle de tri sélectif afin d'y jeter ce que tu désires à l'intérieur. Oh. Par exemple, si tu as dit un gros mot, tu peux le mettre dans le compartiment dédié à cet effet. Pour cela, si tu le veux, tu peux dessiner ton mot sur un papier et placer ce dernier dans la poubelle. Oh. Tu peux aussi inviter d'autres personnes à jeter des choses dans cette poubelle. Si tu tires une carte super poubelle, tu peux la vider en détruisant les petits papiers en confetti lumineux. Et c'est aussi de voir ce que tu as placé dedans par rapport à la journée ou la semaine que tu viens de passer. C'est bien. Non, c'est pas mal. Waouh. Donc voilà, par exemple. Alors, c'est quelque chose qu'on fera peut-être avec Évangile. On va en discuter. C'est l'idée que je viens d'avoir. Peut-être que quand je ferai donc tout ce qui est tirage de runes, de cartes et tout pour les mois à venir, peut-être que pour les enfants... On fera un petit tirage. Avec moi ou pas ? Avec toi. Ah. Uniquement pour les enfants. Ou pour les grands-enfants. Voilà, ceux qui, à qui la carte parlera. Et ce sera une carte que Évangeline tirera. Elle lira ce qu'il y a dans le livre. Et puis, ben, je trouve que c'est une bonne idée, non ? Pour faire pour les enfants, par exemple. Voilà, comme ça, ça me fait de la lecture. On demandera donc, quel est le message pour les enfants. 10, vas-y. Non, pas que 10. Quel est le message pour les enfants de notre planète Terre, par exemple, ou voilà. Et on tire une carte et ce sera le message, par exemple, protection invisible pour les enfants, voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc, c'est vrai que souvent, bah, je crois que j'ai jamais vu, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, des tirages spécifiques aux enfants.
J'en ai jamais vu. Ce sera peut-être une première. Ce sera peut-être une bonne idée comme une mauvaise idée. Mais je trouve ça sympa. Donc voilà, je ferai ça. Je ferai sûrement en plusieurs parties. Voilà, peut-être que ce sera déjà sorti. Voilà. Et comme je ne sais pas du tout quand c'est que je sortirai la vidéo, sûrement au mois de juillet. Donc le temps de monter, etc. Affaire à suivre. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos, parce qu'il y a celle de Évangile et celle-ci. Encore une fois, je trouve que ça peut être sympa et à voir avec le temps. Je vous ferai sûrement des retours avec Évangile. Voir si dans la longue ça lui sert. Voilà, des fois elle a des difficultés à dormir. Bon bah tiens, si je mets la carte pouvoir du sommeil, l'élixir magique, est-ce que ça m'a aidé à dormir ou... Voilà, on fera des petits tests comme ça. Et puis, on verra. Moi, ça Peut-être qu'on change. f... ouais, voilà, peut-être qu'on fera d'autres vidéos dédiées pour les enfants. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous quitte pour de prochaines aventures.